Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une enquête sur l'abbé Saunière, donc à Rennes-les-Châteaux. Ce fameux aveu qui a fait couler tellement d'encre et de salive à propos de l'argent qui lui a permis de restaurer cette église, de faire les travaux dont les coûts ont été inimaginables apparemment pour le petit curé de campagne qu'il était. Donc nous allons tenter de percer ce secret. Bon, on va pas dire qu'on aura la vérité, hein, mais c'est une expérience et c'est tout. Voilà. Beaucoup de bruit court dans le sens que ça serait relié au trésor des Templiers qu'il aurait pu découvrir, etc. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est un mythe? Je ne sais pas. Nous allons tenter de percer ces mystères, de démystifier éventuellement. Enfin, voilà. Et sans chercher à confirmer ce que nous savons, ni à infirmer non plus. Voilà. Une espèce de quête de vérité. Bon, chers amis, c'est parti. Dans cette enquête pour Rennes-le-Château, avec l'abbaye Saunière, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est exactement de la perspective dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors, je veux que tu regardes. J'aimerais que tu appelles d'abord l'abbé Saunière, Béranger de Saunière. Appelle-le pour voir s'il vient à nous. Oui, je le vois. Est-ce que tu peux l'identifier? Regarde son ADN, voir s'il s'agissait bien de lui. Son ADN éthérique. Alors, là, quand je t'ai dit je le vois, j'ai vu une sorte d'hologramme qui en fait est rattaché au lieu, mais c'est un hologramme. Très bien. Alors, tu élimines l'hologramme et je veux que tu appelles l'abbé Saunière, celui qui a vécu dans cet endroit dont qui a fait couler tant d'encre et tant de salive. Il est difficilement accessible, il est dans une sorte de prison magnétique. D'accord. Alors, on va pas compter sur lui pour avoir des informations. Tu vas les prendre toi-même, puisque chaque lieu a sa mémoire akashique. Chaque lieu, chaque événement, chaque situation est enregistrée quelque part en termes de mémoire. C'est là que tu vas puiser. Il est dans une sorte de, comme entreposé dans une sorte de bulle de type magnétique qui crée comme un brouillage et de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. D'accord, là tu parles de l'abbé Saunière. Oui. Et qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Si tu regardes l'origine de cette bulle magnétique, d'où est-ce que ça vient? Qui l'a créé? Ça vient des forces qui l'ont utilisé. D'accord. Alors je veux que tu ailles dans le lieu à l'époque où il vivait, donc dans les années 1800 et quelques. Voilà. 1885, l'époque où il est venu à Rennes-le-Château. Je veux que tu ailles à ce moment-là. Oui. Très bien. Donc tu le vois à Rennes-le-Château. Oui. Je veux que tu avances au moment où il va faire tous ses travaux. J'aimerais que tu regardes d'où vient l'argent qui lui a permis de faire tous ses travaux et qui était extraordinaire pour l'époque, surtout pour sa condition. En fait, avant qu'il arrive sur le lieu, déjà le lieu était sous la coupe de force. D'un type particulier. Oui. Et lui est venu en toute innocence, en quelque sorte, sur ce lieu-là. Et il a été observé, calculé, en quelque sorte. Et comme
pris sous la coupe de capturé. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. D'accord. Et quelles sont ces forces qui l'ont pris sous leur coupe et capturé? Quelle est l'origine de ces forces? C'est des forces sombres que l'on peut qualifier de diaboliques, démoniaques. D'accord. Qui sont toujours présentes sur le lieu. Ok. Et donc si tu arrives au moment où il a entrepris tous ses travaux, toutes ses rénovations, tous ses investissements qu'il a fait, regarde d'où vient l'argent. D'où est-ce qu'il a eu cet argent, ses finances? De réseaux d'humains qui travaillent pour ses forces. Quel type de réseau d'humains? De sociétés secrètes, organisées en tant que telles, en tout cas. Ça passe aussi, mais pas seulement, par la franc-maçonnerie. D'accord. Mais en arrière-plan, il y a toujours... C'est qu'un prétexte, en fait. C'est que le moyen d'agir dans le physique. Mais en arrière-plan, il y a ces forces démoniaques. Oui. D'accord, ok. Qui sont très prégnantes, très puissantes sur le lieu. Et qu'est-ce qu'elles cherchaient à faire, ces forces démoniaques, à travers cet habit et à travers cette structure, on va dire, ésotérique? À installer un réseau, à installer un centre, en quelque sorte, qui lance des tentacules ou des antennes sur un très très large territoire. Comme une araignée qui étend sa toile et qui reste cachée, tapie dans son antre, qui est sur... dont l'entrée est sur ce lieu-là. D'accord. Quand tu parles du lieu, tu parles de l'église précisément ou... Oui. Ou... C'est dans l'église que cette araignée est tapie, cette force démoniaque. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens franchissent le seuil de cette église? De quelle manière ces forces démoniaques agissent-elles? Il y a une... Dès que les gens franchissent le porche, il y a comme une déstructuration de leur corps subtil, une fragilisation des structures subtiles de l'humain qui permet de mieux les capter. Ça fait comme un aimant puissant qui est sous l'autel. D'accord. Est-ce que c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais dans l'église, cette espèce de force d'attraction comme un vortex? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe énergétiquement alors quand on est dans cette emprise? Les corps subtils sont comme séparés les uns des autres. Comme si la communication était momentanément coupée entre chaque corps subtil. Et en même temps se produit un phénomène puissant d'aspiration, mais en tournant. C'est comme un vertige, un vortex qui tourne, qui aspire. D'accord. Et plus on se dirige près de l'autel, plus on est aspiré.
Alors, si tu regardes notre corps à nous qui sommes entrés dans cette église, qu'est-ce que tu vois qui s'est produit pour nous? Il y a eu cette séparation des corps subtils, comme une sorte de flottement, de perte de d'ancrage momentané, qui s'est résorbé ensuite en ressortant du lieu, parce qu'on n'y est pas resté longtemps. D'accord. Est-ce que tous les gens qui entrent dans cette église subissent les mêmes traitements? C'est en quelque sorte un phénomène presque de type électromagnétique. C'est automatique. D'accord. Ça agit sur la biologie. Et en sortant de cette église, est-ce que comme nous, ils retrouvent l'intégrité de leur corps? Tout dépend du temps passé sur le lieu, dans le lieu. Et tout dépend aussi de l'état des corps énergétiques des personnes qui pénètrent dans ce lieu. D'accord. En ce qui nous concerne, toi et moi, est-ce qu'il y a eu des conséquences après de cette incursion dans cette église? Est-ce qu'on en a eu des conséquences après, sur certains plans? Pas par rapport à ce que je viens de décrire, ça s'est résorbé. Par étapes, pas immédiatement après, il y a eu comme une certaine durée dans la suite de la journée pour que tout reprenne sa place. D'accord. Donc tout a repris sa place, on n'a rien gardé de cet endroit. Non. Il n'y a pas eu de crochets qui ont été... Il n'y a pas eu de crochets, il n'y a rien eu par rapport non. à... Ok. Non. Ok. Et ça, c'est par rapport à notre nature à nous ou pour n'importe qui, ça serait la même chose? La situation est différente pour chaque être humain. Est-ce que tu vois beaucoup d'humains, globalement, qui repartent avec ces crochets et cette emprise? De tous ceux qui pénètrent dans cette église, quel pourcentage tu vois qui repartent dans cet état? De harponnage, je veux dire. Oui. D'accord. Après, il peut y avoir harponnage, mais qui ne tiennent pas. C'est-à-dire que la personne ensuite reprend son intégrité énergétique. Et le harpon saute, il glisse sur les couches énergétiques. Et qu'est-ce qui fait la différence? Quelles sont ces personnes qui arrivent à ça par rapport aux autres qui n'y arrivent pas? Qu'est-ce qui fait la différence? Ça, c'est pour l'information, hein? C'est l'état énergétique de la personne. Qui est lié à son état de conscience, tu veux dire? Entre autres. Ça l'est et ça ne l'est pas, parce qu'il y a d'une part l'état de conscience qui peut verrouiller tout l'espace énergétique. Mais il y a aussi comme une autodéfense naturelle qui peut agir indépendamment de l'état de conscience. D'accord. La situation est différente pour chaque humain. Tous les cas de figure sont présents. Est-ce que ce diable que l'on voit sur la gauche en entrant dans l'église a un rôle particulier? Est-ce qu'il est habité? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Est-ce qu'il émane quelque chose? Est-ce qu'il joue un rôle en fait? C'est comme une antenne ultra puissante. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Une fois qu'on franchit le porche et qu'on passe devant, il y a comme une sorte de barrière, de faisceau
qui est mis en place, qui est maintenu en fait en place par cette statue. Donc une fois qu'on franchit ce faisceau, c'est comme si quelque part il n'y avait plus de retour en arrière possible. On est pris dans cette sorte d'aimant. C'est la limite de l'aimant. D'accord. Et ça va se parachever dans le vortex vers l'hôtel, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Alors ça, c'est pour l'église. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cet endroit, là précisément, alors qu'on est dans les environs de Bougarache, qui est connu pour être un haut lieu énergétique? Dans toute cette région-là, il y a des vortex énergétiques. Et il y a aussi des veines de nature tellurique. C'est lié à la nature du lieu. D'accord. Et est-ce que ces forces diaboliques ont une emprise uniquement dans cet endroit de Rennes-les-Châteaux? Ou elles s'étendent plus loin, jusqu'à Bougarache, ou même plus encore? Elles trouvent ces forces-là trouvent un terreau puissant là où on vient d'aller voir. Et il y a comme des antennes qui partent dans toutes les directions, dans toutes les directions, et elles trouvent leur force dans ces réseaux telluriques, en fait. C'est-à-dire que naturellement, sur le lieu, il y a une énergie particulière. Quand je dis sur le lieu, ça va plus loin que ça. C'est même sur. C'est pas Rennes-le-Château précisément, c'est la région, les villages alentours, les montagnes alentours. Et ces forces démoniaques, en fait, utilisent ces vortex énergétiques et ces failles telluriques pour exister, pour se poser là, prendre de la vigueur. Et elles s'en servent comme point d'accroche, comme point d'ancrage. D'accord. Est-ce que tu vois que dans les montagnes de Bougarache, tu vois de ces forces telluriques, on va dire, utilisées démoniaquement? Il y a un autre type de présence qui est là, Oui, qu'est-ce que tu vois? qui utilise aussi ces veines telluriques. Quel type de présence? De qui parles-tu? Elles sont moins basses en fréquence que les forces qui arènent le château. Elles sont moins basses en fréquence, mais elles sont pas hautes non plus. Et qui sont ces entités qui sont concernées alors? De qui parles-tu? C'est des entités qui ont collaboré à un moment donné de façon très étroite avec les humains. Ils le font toujours, mais moins. C'est comme si cette collaboration était en sommeil, sur ce lieu-là en tout cas. C'est une collaboration de type militaire et scientifique. D'accord. Et qui sont ces entités alors? Qui se présentent là, c'est des grands gris
C'est pas les petits travailleurs, c'est des grands avec des crânes assez imposants et une intelligence, un raisonnement de type scientifique. Froid. Est-ce que c'est eux qu'on trouve dans les montagnes de Bougarache? Dans les vaisseaux? Oui, c'est eux. Ils sont dans les souterrains de Bougarache? Aussi. Et quand des promeneurs sont dans les environs de Bougarache ou à Bougarache même, est-ce qu'il y a des interactions avec eux? Quelquefois, il y a un désintérêt et un mépris en fait de ces promeneurs curieux. D'accord. Est-ce qu'il peut se passer des choses fâcheuses par rapport à ces promeneurs? Si les promeneurs sont dans un lieu à une heure précise, à un moment qui ne leur convient pas, oui, ça peut avoir des conséquences fâcheuses, désagréables pour le promeneur. Qu'est-ce qu'il pourrait faire par exemple? Y a eu déjà des enlèvements. Je dis par là enlèvement, séjour. Dans le vaisseau, de type d'observation scientifique, s'ils ont besoin d'avoir, s'ils ont besoin de faire des incursions scientifiques sur la biologie humaine, et qu'il y a des humains isolés à proximité de là où ils sont, ils se servent. D'accord. Et tu veux dire physiquement, pas des humains pendant leur sommeil. On ne parle pas d'abduction sur des plans subtils. Ça peut être les deux. Et tu Quand vois c'est des... sur le plan physique, les humains sont ensuite remis en place, en quelque sorte, là où ils étaient. ils ne se souviennent de rien, je suppose. Il y a des plaques blanches au niveau de la mémoire qui sont installées. Donc ça les rend amnésiques. Oui. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois quand même dans ces montagnes de Bougarache des forces positives? Puisqu'elles sont connues pour être justement pour avoir des énergies très particulières qui seraient positives pour l'humain. Est-ce que tu vois ça toi? Il y a ça aussi parce que c'est encore une fois un lieu très puissant d'un point de vue tellurique. Donc c'est comme une source auquel beaucoup de types d'énergie très différentes viennent boire comme quand on va boire auprès d'une source. Donc il y a aussi bien des énergies basses que d'autres qui sont plus hautes. Tout est présent en même temps. C'est ce qui crée cet effet de bouillonnement énergétique, en fait. Comment définir ces endroits d'énergie haute si on veut éviter les énergies basses? Comment peut-on les distinguer? Est-ce que tu vois des endroits précis? Ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question de fréquence individuelle. Ah. Le fait qu'on soit ou pas sur le même lieu physiquement, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui compte, c'est la fréquence. Si on n'est pas sur la même fréquence que ces grands gris décrits précédemment, on ne les croisera pas. Si tu nous regardes nous deux, par exemple, pour l'exemple, est-ce que tu vois une fréquence qui nous exposerait à ces gris? Non. Non, on n'est pas sur la même fréquence. D'accord. Ok.
Alors, j'aimerais en revenir, parce que j'ai un petit peu dérivé, hein, c'était la Bessonnière, le sujet principal. Donc, ce fameux trésor des Templiers dont on parle, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que la Bessonnière a eu accès à ce trésor? Et si tu peux prendre de l'information? Il y a eu une construction de mythes savamment élaborée dans l'optique de maintenir vivante cette toile d'araignée énergétique qui est établie sur le lieu et qui étend très loin cette toile. D'accord. De Et l'argent, il y en a eu, mais pas de ce trésor. c'était ce fameux réseau dont tu Oui, parles. oui. Et cet argent qu'ils ont donné à la Bessonnière pour faire ce qu'il a fait, dans quel but c'était en fait? Quel était leur but à eux de donner tout cet argent? Pour mettre en place ce qui est maintenant, c'est-à-dire mettre en place cet aimant. Mettre en place ce qu'il y a lieu maintenant sur le lieu. D'accord, mais cette société secrète maçonnique, quel intérêt elle avait? Parce que, bon, bien sûr qu'elles sont manipulées par ces forces obscures, mais sur le plan humain, quel C'est intérêt ça, portait-elle? c'est là la clé. La clé n'est pas sur le plan humain. Eh oui. Alors, est-ce qu'ils ont utilisé cette histoire de trésor des Templiers, de Marie Magdala, etc.? Parce qu'on parle aussi de Marie Magdala, de son passage, des mystères de la descendance de Jésus. Est-ce que tout ça, c'est un mythe qui a été créé? Oui, c'est un mythe qui s'est raccroché à d'anciennes croyances pour installer sa légitimité. D'accord. Et activer la curiosité des pèlerins, c'est ça? Oui, ça sert d'aimant. Ok. Et autrement, est-ce que cette histoire de Marie Magdala et de Jésus, est-ce que tu vois que ça, elle a vraiment existé? Je perçois toujours que c'est un aimant et un prétexte. D'accord. Est-ce que tu vois que ce passage de Marie de Magdala dans les environs de Bogarach, de Rennes-les-Bains, etc., de Château, est-ce que tu penses qu'il y a réellement eu un événement comme celui-là, quand ils sont partis de Palestine? Est-ce qu'il y a eu ce passage? Est-ce qu'il y a eu une résidence de cette Marie de Magdala? Si tu cherches dans les mémoires akashiques, est-ce qu'il y a quand même eu quelque chose dans ce sens, dans la région? Il y a eu un passage, mais ça a été monté en épingle. C'était comme un passage très rapide, en fait. D'accord. Et ce passage a servi sur cette base, s'est monté ensuite tout le reste, tout le mythe. D'accord. Et si on veut aller plus loin sur Marie de Magdala, est-ce que tu vois qu'elle portait en elle un descendant de Jésus? Oui, encore toute une descendance après. Oui. Mais peu importe dans le sens où c'est la lignée humaine, physique, biologique. Et celui que l'on appelle Jésus a utilisé une lignée humaine et un corps humain. Ok, mais cette descendance génétique a quand même eu une portée sur ces futurs humains incarnés, non?
C'est une descendance génétique humaine parmi d'autres. Est-ce qu'il n'a pas gardé des caractéristiques propres à ce qui a été favorable au développement de Jésus et à ses connexions et etc. Non, il n'y a rien qui est resté dans cette génétique, comme quelque chose de particulier, de spécial. Cette génétique, elle existait avant que l'essence de Jésus en choisisse un des maillons pour venir s'incarner. Elle existait avant, elle existe toujours maintenant, et elle a des caractéristiques fréquentielles particulières qui permet d'installer en fait dans la biologie un certain type de fréquence haute qui ne serait pas supportée par d'autres lignées humaines. Très bien. Alors on Mais en arrive. c'est simplement une caractéristique. Parfait, mais elle est quand même importante. Oui. Et si tu vois cette descendance de Jésus, est-ce qu'on l'a retrouvée dans l'histoire de France, dans des figures importantes, des figures connues? On la retrouve. C'est comme en fait un bracelet ou une chaîne avec des maillons sur laquelle peuvent venir se poser, s'incarner des essences qui portent en elles ce type de fréquence. Tu parles d'essence christique. Oui. Alors, est-ce que tu en vois aujourd'hui qui sont dans cette essence-là, qui seraient des descendants de cette génétique de Jésus, portant cette fréquence particulière? Alors aujourd'hui vivant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est y a des gens qui guérissent sur cette lignée-là régulièrement. D'accord. Des gens qui sont connus? Là, il me vient Maître Philippe de Lyon. Très bien. Maître Philippe de Lyon. Ok. Alors ça tombe bien puisqu'on nous demandait une enquête sur Maître Philippe de Lyon. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur lui? Si tu concentres ton énergie, ton attention sur Maître Philippe de Lyon. Son essence était tellement puissante qu'il est venu même transcender l'écrin biologique dans lequel il est venu s'incarner. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est-à-dire que son corps physique n'avait pas la même nature en fait que les autres corps physiques environnants. Pour faire une analogie, pour créer des pierres précieuses, il y a une certaine pression au niveau des roches pour qu'elles se vitrifient, qu'elles se cristallisent. Ça, c'est la création de des pierres précieuses. Eh bien lui, d'un point de vue biologique, il y a une analogie, il s'est passé comme la même chose. Son essence était tellement puissante, en fait, elle est venue s'incarner sur cette lignée-là qui a ces caractéristiques-là, mais c'était encore même trop puissant et il y a eu un effet de pression, de cristallisation dans la biologie. Et ça a eu quoi comme conséquence? Au niveau des os durs comme du diamant.
Tu veux dire qu'on peut retrouver son squelette aujourd'hui, avec cette dureté? Il l'avait de son vivant. D'accord. Est-ce que Bruno Gröning serait de la même veine que Philippe de Lion, Maître Philippe de Lion? L'essence est différente, mais elle a les mêmes capacités pour faire passer l'énergie de guérison. Mais il a utilisé aussi, son essence a utilisé cette lumière humaine-là particulière qui a suffisamment de solidité en quelque sorte pour laisser passer cette énergie de guérison. D'accord. Mais en fait, il n'est pas de la même lignée que Jésus, lui, Bruno Gröning, biologique. C'est une branche différente. D'accord. Et donc, ce maître Philippe de Lyon est un descendant de Jésus. C'est bien cela, était. En fait, je perçois la lignée humaine sur laquelle est venu s'incarner Jésus, qui part dans des ramifications multiples. Et dans une de ces ramifications-là, on peut trouver Maître Philippe. Et dans une autre ramification plus lointaine, on peut trouver Bruno Gröning, mais c'est une question de. Je comprends ta question, mais je le perçois à un autre niveau. C'est simplement une lignée humaine porteuse de certaines caractéristiques, plus ou moins concentrées, suivant les ramifications. Mais c'est simplement des caractéristiques qui permettent la venue sur le plan physique d'un certain type d'essence D'accord. qui est venue laisser passer ce type d'énergie de guérison. D'accord, une biologie particulière qui est propre à recevoir cette énergie, Voilà. sans dommage, c'est ça en fait. Tous les humains issus de cet arbre généalogique et porteur de ces caractéristiques biologiques n'ont pas été ou ne sont pas des grands guérisseurs. C'est comme un type de vaisseau physique, on va dire, qui permet l'installation d'un certain type d'essence, mais c'est pas toujours utilisé de cette façon-là. D'accord. Et si on revient à Marie-Madeleine qui était donc enceinte de Jésus, donc c'est bien le cas. Oui. Qui était ce bébé qu'elle a mis au monde? Attends, tu me parles de la femme de Jésus ou de sa Oui, mère? non, la femme de Jésus, Marie-Madeleine. La femme. Celle qui est venue en France, avec celle qu'on appelait les Saintes Maries. Donc elle est bienvenue en France, Oui. enceinte de Jésus, on est d'accord? Oui. Bon, qui était ce bébé qu'elle a mis au monde? Il est devenu qui? Personne en particulier qui soit connu. C'est simplement la suite de cette lignée humaine, c'est tout. D'accord, il n'est pas devenu quelqu'un de connu, de Non. par les caractéristiques qu'il avait acquises. Non. Ok. Il n'y a pas d'utilisation à chaque génération de cette
D'accord. de ses caractéristiques biologiques. Ça Okay. n'est pas utilisé à chaque fois. Est-ce qu'il y avait un lien avec un fameux livre que j'avais lu sur justement ces événements? Est-ce qu'il y avait un lien avec la race des Mérovingiens, par exemple? Puisqu'on dit que les Mérovingiens, enfin l'euro mérovingien avait une tache qui était un héritage de Jésus, on va dire, de cette caractéristique royale. Est-ce que c'est un mythe? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Il y a des caractéristiques biologiques, oui, qui sont toutes liées. C'est les mêmes. Mais c'est pas utilisé dans le même sens. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de lignée biologique humaine à déifier et à mettre à part, en quelque sorte, ou à garder pur, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une mauvaise compréhension des choses. Alors, explique-nous mieux. C'est simplement un moyen, sur le plan physique terrestre, que viennent s'incarner certains types d'essences qui ont des choses à accomplir, à faire sur ce plan physique. C'est un moyen, c'est un vaisseau en quelque sorte, D'accord. mais qui n'est pas utilisé tout le temps et qui peut être aussi utilisé à mauvais escient. C'est simplement un moyen. D'accord. Et dans cette lignée mérovingienne, donc est-ce qu'on y trouve des rois qui étaient descendants de ce Jésus ou pas? Sur un certain plan, oui, mais pas, il n'y a pas d'essence christique. Je D'accord. ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, je comprends. Et ce fameux Saint Graal qui a fait l'objet de cette quête, cette fameuse quête, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle information tu as par rapport à ce qu'on appelle le Saint Graal? C'est un symbole. Est-ce que c'est le symbole de la naissance christique dans le cœur de l'homme? C'est un symbole de nature féminine. Oui, tu peux en dire plus. Est-ce que ça veut dire que c'est par le féminin que qu'on obtient justement cette connexion christique? C'est en ligne directe, oui. Il faut pas être dans la dualité du masculin et du féminin. Si on reste au niveau de cette dualité masculin-féminin, on a coupé la connexion. Ok, donc c'est ce qui a été évoqué comme le Saint Graal, c'est ça, c'est passé par le féminin, mais dans l'équilibre du masculin. Oui. Mais le féminin est la clé. Oui, c'est la clé. La clé des perceptions, la clé des ressentis. C'est la clé de la création. D'accord. Ok. C'est le féminin qui est la matrice en fait de cette naissance christique, on va dire, quelque part. C'est ça. Il y a plusieurs clés de compréhension, mais c'en est une. Ok. Ce qui a été reporté sur Marie-Madeleine, etc., ou sur la mère de Jésus. C'est une clé de compréhension. D'accord. Ok. Et ce fameux trésor des Templiers, alors, qu'est-ce que tu peux en dire comme information? Est-ce qu'il a réellement existé? Et est-ce qu'il existe toujours?
Il y a eu d'importantes. Il y a eu. Il n'y a pas un seul trésor en tant que tel. Il y a eu d'importantes valeurs qui ont voyagé par terre et par mer. À un moment donné, il y a eu plusieurs valeurs réunies en un seul endroit. Et étrangement, c'est je vois le fond de l'eau. D'accord. Au fond de l'eau. Est-ce que ça aurait coulé dans un bateau? Qu'est-ce que tu vois comme qu'est-ce qui a pu se produire? Je vois le fond de l'océan, mais ce qui me vient, c'est que au fond de l'océan, il n'y a pas ce que l'on appelle le trésor des Templiers. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a dans ces transports de fonds, en quelque sorte, il y a eu plusieurs fonds réunis à un même endroit, mais c'est pas la totalité. Mais ça représente un volume important en termes d'argent. Pas si important que ça au vu de nos critères actuels. D'accord. C'est un mythe. C'est un mythe. D'accord. Donc ce mythe de fonds qui ont été transportés par plusieurs convois, enfin par un grand convoi, ça c'est un mythe. Y a eu, mais pas aussi important que ce que le dit le mythe. D'accord. Et quand tu dis le fond de l'océan, c'est de quel côté? C'est plus l'énergie atlantique. D'accord. Entre quel et quel pays? Est-ce que tu peux situer à peu près au large de quelle côte? Sans donner des détails, bien sûr. Au large des côtes de la France, sur la côte atlantique. La Rochelle, il y a quelque chose avec La Rochelle, D'accord. mais pas à La Rochelle, bien au large, Bien à large. comme s'il y avait eu un départ de là, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Très bien. On va pas chercher les données les données de leur position, évidemment, hein. C'est pas le but. Très bien. Donc au large de La Rochelle. Il y a ce fameux trésor qui gît au fond de l'eau, à une profondeur importante. Oui, assez profond, mais c'est pas le trésor, c'est juste une importante partie des fonds. D'accord. C'est pas ce que dit le mythe. Ok, et alors ce trésor, il existerait autrement si ce n'est pas celui-là? Il existe en tant qu'égrégore entièrement créé par les humains. D'accord, ok. Un grand fantasme humain, quoi. Oui. Très bien. Parfait. Bon, ben, je pense qu'on arrive à la fin de cette séance. On a eu beaucoup d'informations. Donc, je te suggère maintenant que nous allons arrêter là. Est-ce que tu as d'autres choses que tu vois qui pourraient être utiles ou intéressantes? Sur Rennes le Château, il y a un égrégore qui est très puissant et qui étend ses tentacules loin et qui a ses racines profondes. Quand tu dis loin, ça se situe où? Loin. Dans le monde entier. Ah, carrément. Donc c'est un centre important sur le plan mondial, tu veux dire? Il y a des racines très profondes et qui s'étendent loin.
sur le plan mondial, au niveau de l'ensemble de l'humanité. D'accord. Et Rennes-le-Château, c'est l'épicentre. Oui. C'est de là où partent toutes ces... Tentacules. Ces tentacules, oui. Ok. Et ça agit, comme un aimant puissant. D'accord. Et qu'est-ce que ça crée comme problème sur l'humanité, alors? Qu'est-ce que ça crée comme dysfonctionnement? On ne peut pas dire que ça crée de dysfonctionnement en particulier, c'est simplement un aspirateur d'énergie puissant. D'accord. Comme d'autres, mais celui-ci est plus puissant. Et c'est une espèce de grosse purge, c'est ça? Si tu regardes cet être qui est... On peut le percevoir de cette façon-là, oui. Oui. C'est similaire, en tout cas. D'accord. Et qui est-ce qui l'a créé, cet être, alors? D'où est-ce qu'il est à l'origine, avant d'être installé ici? L'origine, elle est lointaine. Cet être-là a été créé de toutes pièces par les croyances humaines. Il en a été nourri. Il était presque mort, inanimé. Et il a comme renaître ses cendres. À quel moment? Au moment où il y a eu le contact avec l'abbé. Ah, c'est l'abbé qui a ranimé cette bête? C'est pas une bête en tant que telle, c'est des forces oui, non, démoniaques mais je... oui. Qui étaient comme en sommeil. D'accord. Lui a été utilisé simplement. Mais est-ce que l'abbé avait une capacité particulière pour réveiller cette force démoniaque? Pourquoi cet abbé précisément? Il a été comme agrippé et chez lui ça a tenu et donc il a été utilisé pour ranimer ses forces. D'accord. Mais ces réseaux maçonniques qui l'ont utilisé également, qu'est-ce qu'ils en ont gagné comme avantage? Je veux dire, c'était quoi leur objectif à eux? Ça n'a aucune importance sur le plan humain. C'est simplement un moyen qui sert à harponner. D'accord. À alimenter donc ces forces obscures. Oui. Ok. Très bien. Ok. Et tous les mythes et les légendes qui ont été construits autour pour attirer l'attention des gens, la curiosité, la passion, etc. Et... Ce sont des constructions qui... C'est des égrégores, en fait, entièrement construits comme des appâts. D'accord. Bon, c'est un peu décevant pour tous ceux qui rêvent de ce mythe du trésor des Templiers, de Marie-Madeleine, des origines, de la descendance de Jésus, etc. Peu importe, c'est simplement... Ce que je perçois là. Oui, oui, c'est intéressant. Ok, nous étions, bien sûr, nous sommes dans cette quête de ce qu'on avait à dire, la vérité. Donc, peu importe après qu'il y ait une déception ou non, ce qui compte, ce n'est pas d'alimenter une croyance, mais de chercher le fond des choses. C'est ce qui m'intéresse en tout cas. Ok, chacun en fera ce qu'il en voudra. Bon, il va être temps de revenir. Est-ce que tu peux... couper avec tout ça, à moins que tu vois autre chose. Est-ce que tu as quelques informations à livrer éventuellement ou est-ce qu'on peut envisager le retour? C'est bon. Très bien. Alors nous allons faire le retour de tout cela.
Je vais couper l'enregistrement. Voilà.